aujourd'hui vendredi, comme d'habitude bien sûr, et ben je suis partie à Nos en fin de matinée et il faisait super beau. Donc en fait j'ai fait des achats mais je sais pas par quoi commencer. L'alimentaire, j'ai acheté des gourmandises, c'est ces chocolats là avec de la menthe à l'intérieur, une pâte menthe. C'est comme les, comment ils s'appellent, les after eye, les after light ou after eye, je ne me rappelle plus, à 1,79€ et la date de péremption elle est de juin 2017. C'est du chocolat fondant, voilà, chocolat noir, ben oui, avec la menthe, il faut toujours du chocolat noir et avec de la fraise aussi, voilà, de la crème de fraise et là c'est la crème de menthe à 1,79€ comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai pris des croutons, ça c'est bon pour avec les soupes ou en salade aussi. C'est excellent à 99 centimes et la date de péremption, elle est, je ne sais pas, je ne sais absolument pas. J'ai cru que c'était une date de péremption. Ah oui, excusez-moi, c'est 15 août 2016. Voilà, et c'est de la marque Crouton, voilà. Ensuite, j'ai pris ces petites choses-là, c'est Hot and Go de chocolat au lait. Et ça a l'air bon, c'est comme des boissons en chocolat, c'est comme des boissons dans des canettes conditionnées, comme des boissons gazeuses, voilà, à 79 centimes. Et la date de péremption, en fait, j'ai pas regardé. En fait, il faut que j'apprenne à regarder avant de vous présenter la vidéo. Mais en fait, je vais pas faire ces calculs tout ça. Et moi, j'aime ma spontanéité. Et en fait, j'aime être naturelle. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est du chocolat au lait et à 79 centimes. Et comme je vous ai dit, la date de péremption, je ne la trouve point. Voilà, donc c'est pas grave, mais ça fera pas long feu. Donc c'est pour ça, donc c'est pas grave si je regarde pas la date de péremption. En plus, après, j'ai pris de la badoit à 29 centimes et je vais pas vous mentir, elle est en verre la bouteille. Je vais pas vous mentir, en fait, je l'ai prise parce que je l'ai trouvée super jolie. J'ai pris qu'une seule, elle est en rose et là, la date de péremption, c'est pour le 18 juin 2016. Je l'ai trouvée très jolie la bouteille, je me suis dit, je vais la prendre. Ensuite, produits d'entretien, messieurs, dames, produits d'entretien, j'ai pris des lingettes, voilà, Valentina, c'est des lingettes intimes, lingettes hygiène intime à 69 centimes, et ça c'est pas mal quand même, de l'avoir dans son sac ou dans sa salle, dans ses toilettes, voilà. Ensuite, j'ai pris de l'eau micellaire, petit format de voyage, secret de Léa, à 50 centimes. Ça, c'est bien de glisser quand on part en voyage, avec les formats aussi. Surtout quand on prend l'avion, il ne faut pas prendre plus du 100 ml. Et donc, des fois, c'est bien d'avoir ça dans sa trousse de toilette, ou généralement, les trousses de toilette, on ne va pas se leurrer, on les met dans la valise, comme ça, on est tranquille. Ensuite, j'ai pris un petit vernis de la marque BC Body Collection, voilà, c'est à 85 centimes. La couleur, je ne saurais pas vous le dire, mais elle est jolie, elle fait été, printanière, parce que moi et les couleurs, ça fait deux, donc pour ne pas vous dire de bêtises, ben, je sais pas, et c'est pas écrit, et c'est écrit en tout petit, donc je prends pas le risque de me ridiculiser. Et puis voilà. Ensuite, j'ai pris du coton en disque à 75 centimes. J'en ai pris deux, en plus j'en avais pas et je me suis dit, comme il y a un Carrefour à côté de chez moi, en fait à côté de chez moi, à côté de chez Nos, je me suis dit, j'espère qu'ils vont avoir du coton, comme ça ça m'évite d'aller à Carrefour en m'acheter, en fait. Donc voilà, donc comme je suis avec ma fifi, bien sûr, elle vient me regarder un petit peu et me parler. Donc ensuite, j'ai pris un déodorant de la marque Nike. Et ça, c'est une abonnée qui fait aussi des vidéos qui m'en a parlé. J'ai oublié comment elle s'appelle parce qu'il y en a.
J'ai oublié. Et elle m'avait conseillé, elle m'avait dit, toi qui aimes les parfums, il faudrait que tu regardes si tu en avances dans ton nose. Je la remercie, je lui fais un gros bisou. Effectivement, ça sent super bon et ça coûte pas cher, 1,99€. C'est un déodorant, déo tout simplement. Donc du coup, j'en ai pris un, voilà, pour essayer. Et ça m'évite, les filles et les garçons, de mettre comme déo mes parfums. Les parfums que j'ai, c'est horrible. Je n'ai pas de déo et je mets mes parfums comme déo. Il faut le faire quand même, au lieu de m'en acheter un pas cher. Voilà. Mais grâce à toi, j'ai un déodorant. Et je te remercie pour le conseil. Ensuite, j'ai pris un petit peu de tout. Donc là, je vais passer un petit peu, on va dire, au bazar. J'ai pris des adhésifs double face. Il y en a 5 à 99 centimes. C'est des scotch double face, tout simplement. Et moi qui n'aime pas mettre des clous, je déteste les clous dans une maison pour accrocher les tableaux et tout. Donc, du coup, j'utilise toujours le scotch double face pour mes tableaux. Tous les tableaux que j'ai achetés de chez Noz, voilà, je les ai collé avec du double face plutôt que de faire des trous dans le mur ou dans les portes. J'ai horreur de ça. Et c'était à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris, pour que ça tombe pas, des blocs WC Power Fresh qu'on jette dans le truc là pour retirer la chasse. Et l'eau, elle est toute bleue, donc j'aime bien. Donc j'ai acheté et c'était à 1,49€ et il y en a 6. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, en fait, ça se vend chacun seul. Hein. Ça, c'est une huile essentielle à 99 centimes et c'est senteur spirit avec le petit truc où vous mettez l'huile essentielle à 1,99€. Et en plus, vous allez rigoler, mais je ne savais pas comment utiliser l'huile essentielle, je pense, oui. C'est parce que c'était écrit huile essentielle et c'est écrit en petit. Donc voilà. Et le gentil vendeur Johan, avec son beau sourire, il m'a dit qu'il fallait que je mette un peu d'eau ici, 3 gouttes de cette huile essentielle qui est parfumée, parfum spirit, je ne sais pas qu'est-ce que ça sent, mais je vous en dirai. Et j'ai pris aussi encore une petite bougie que j'avais pris déjà. Et il m'a dit de mettre la bougie, d'allumer, mettre mon eau, 3 gouttes, et que ça allait sentir super bon. L'huile essentielle ou la 700 heures, elle coûtait 99 centimes. Le petit truc, 1,99€. Et la petite bougie, 30 centimes. Donc voilà. Et pour le coup, j'ai pris une autre. Ensuite, j'ai pris. En fait, j'ai un truc qui fait partie de la déco de la maison, mais je veux le garder pour la fin parce que chaque fois, j'ai un produit, mon produit phare, mon beau produit que j'aime et que j'ai acheté et que je trouve magnifique. Je le partage avec vous à la fin de la vidéo toujours. Ensuite, après, j'ai acheté ça, comme la dernière fois où il y avait écrit toilette. Là, il y a écrit chambre et c'est de la marque Atmosfera et je l'ai pris à 1,99€. Donc voilà, ensuite je vais passer aussi encore à la maison. Donc j'ai acheté ces petits plats à gratin ou à tourte ou ce que vous voulez. Vous pouvez faire la pâtisserie ou le salé, ce que vous voulez. Il était à 2,50€ et ça, les filles et les garçons, on sait très bien que ça coûte cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion, il y en avait plein. Si vous en voulez sur Noz Montpellier, si vous en voulez, allez-y parce qu'il y en a. Et comme il m'a dit le vendeur, ça part super vite. Par la même occasion, parce qu'il n'y avait pas une grande différence de prix, j'ai pris le grand qui coûtait 2,99€, donc 49 centimes de plus, j'ai pris le grand plat. Le petit, c'est surtout pour mes filles, je leur prépare à manger par exemple, et pour le déjeuner, voilà, comme ça, elles auront un petit truc au lieu de faire dans le grand, et puis voilà. Ensuite, attends, il ne faut pas que ça se casse quand même. Ensuite, alors, j'ai trouvé ces petites merveilles, et ça, c'est des, comment ça s'appelle? C'est des housses, bon, en fait, c'est pas écrit en français, hein. C'est à 99 centimes et c'est des housses de rangement qu'on peut mettre sur le lit. Et comme c'était pas cher, j'en ai pris 4.
Voilà, il y a 4 et c'est des housses, voilà, de rangement, voilà, je ne sais pas, mais c'est écrit Für gründliche Sauberkeit im Haushalt. C'est de l'allemand, donc c'est allemand, voilà, et c'était à 99 centimes. Oula, le bruit. Donc, j'en ai déplié un, j'en ai ouvert un pour vous montrer, donc c'est tout simple. Voilà, c'est des housses de rangement qu'on peut mettre sous le lit et je trouve ça judicieux pour ranger. Voilà, la hauteur, il n'y avait pas écrit la hauteur ni les mesures, je ne sais pas si c'est écrit parce que c'est sûrement un peu petit. Attendez, ben non, c'est pas écrit. Bon, ben c'est pas grave. Ensuite, on va passer à la papeterie. Papeterie, j'ai trouvé ces trucs-là, luxury tissu de la marque Glick, et ils étaient à 50 centimes, et je les ai trouvés super jolis, et il y en a 4, 50 sur 75, et c'est pour, comment ça s'appelle là, les trucs-là, qu'on fait des photos et tout, oh mon dieu, le scrap. Voilà, le scrap. Celles qui font du scrap, allez-y, ils ont reçu plein d'arrivages de scrap. Et ces deux petites merveilles, elles étaient à 50 centimes. Donc, pas du tout cher. Ensuite, on va passer au carnet. Pour les carnets, j'ai pris... Alors, j'ai pris ces deux-là. Ils étaient à 50 centimes. Donc, voilà, c'est des carnets tout simples. Et il y a des traits horizontales. Voilà, j'ai trouvé ça super mignon. J'en ai acheté deux moyens, ils étaient à 50, oui je vous l'ai dit, et ensuite à 35 centimes, des petits carnets comme ceci, j'ai pris, voilà, en rouge, j'ai pris les deux mêmes, et il y en avait pas mal. Ensuite j'ai pris un petit notebook, voilà, à 1,20€, noir et rouge, ils en avaient pas mal aussi. Ensuite, alors là, j'ai pris, ah bah alors là, ça c'est trop beau les filles et les garçons. J'ai pris ça, c'est des bloc-notes. Ceux-là, ils sont à 2,50€ et je pense qu'ils sont super bien faits. Voilà, moi j'adore les petits carnets, les petites choses comme ça pour glisser dans son sac. Et quand on veut noter quelque chose, ben on les note. J'en ai beaucoup, mais c'est pas grave, ils seront utilisés. Ensuite, oh là là, j'ai oublié de l'ouvrir. Ensuite, j'ai pris de la même ligne à 2,99€ un autre bloc comme ceci avec son petit crayon, et c'est des feuilles libres, on note un truc, on le, voilà, à glisser ou à mettre sur son bureau ou comme vous voulez, voilà, et il était à 2,99€, je vous ai dit. Ensuite j'ai pris ces petits cahiers de Furby et ils étaient à 99 centimes. Et ils sont à carreaux. J'en ai pris deux pour ma fifi. Voilà, un nom comme ça, ouais. Deux pour ma fifi et le même en rose pour moi, en fait. Voilà, moi j'adore le rose. Et comme je vous ai dit, elle aime tout ce que j'aime. Donc je prends toujours, quand j'aime un truc, je le prends en double. Et je voulais en acheter deux, le rose et l'orange. Et puis je me suis dit, elle va vouloir, voilà, un pour elle, un pour moi. Et puis après, moi j'aime le rose, donc j'ai acheté le rose. Voilà, tout simplement. Ensuite, les filles et les garçons, j'ai trouvé ces dossiers-là. Ils étaient à 79 centimes. Et ça, c'est pour que ma petite fifi mette ses dessins ou que moi, je mette des papiers ou autre. Voilà, donc tout simplement avec élastique. Et j'en ai pris deux comme ceci. Ils sont cartonnés, pas plastifiés. Deux comme ceci et deux comme ceci. Et comme je vous ai dit, ils étaient à 79 centimes. Voilà, c'était pas du tout cher. Ces trucs-là, ils se vendent horriblement cher. En plus, dès qu'il y a un joli imprimé, je vous dis même pas les prix qu'ils font. Ensuite, j'ai pris, ils avaient une réception de marchandises, en fait, une livraison de fleurs et tout, de la marque, ça c'est Lifestyle, ça c'est Déco-Responsable, et voilà, et c'était, et c'est à 2,50€, et le prix de ce machin là qui le vendait, ben c'était à 7,85€, vous imaginez quand même les prix, comment ils sont
horriblement cher et chez nos urbains. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, c'est une petite bûche et des petites branches avec, voilà, à poser à côté de la télé. Moi, je le poserai à côté de la télé parce que je le trouve super beau. À 2,50€. Et voilà, il y en avait encore, les filles et les garçons. Donc, vous pouvez y aller. Ensuite, comme je vous ai dit, le meilleur pour la fin, eh ben, j'ai pris ça. Et donc, c'est des fleurs. Déjà, je commence par le vase. Le vase, c'est de la marque Silea. Et je l'ai pris à 9,50€. Il est noir, il est magnifique. Et le vert, c'est du costaud. Donc, je le trouve super beau. En fait, j'allais partir et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas partir et le laisser. Et comme en fait, à la maison, on m'a cassé un vase. Donc, je me suis dit, surtout pour les bouquets que j'ai, en fait, comme je vous ai dit, j'adore les fleurs. Mais j'aime les fleurs artificielles de qualité, bien sûr. Pas les fleurs qu'on trouve en plastique et tout, qui sont pas jolies. Donc là, c'est du tissu, c'est beau, c'est de la qualité, donc j'adore. Je préfère qu'on m'offre, comme je vous ai dit, des fleurs artificielles plutôt que des fleurs qui vont se faner au bout de 3 jours. Surtout maintenant, après un jour, elles se fanent. Donc je préfère qu'elles restent sur leurs branches, les fleurs, et que je profite des fleurs artificielles. Voilà, donc voilà, c'était une petite aparté. Donc à 9,50€, il est noir, il est trop beau, les filles et les garçons. Et voilà, donc je l'ai pris à, voilà, de la marque Silea. Voilà, et je me suis dit, je vais faire ma petite composition. Et il y avait ces fleurs. Donc, j'ai pris celle-ci à 2€. Et j'en ai pris 2 roses, voilà. Et 2 blanches à 2,50€. Non, 2€, excusez-moi. Et c'est de la marque Silea, comme je vous ai dit. C'est la même qualité que comment elle s'appelle la marque, la Sia. Voilà, où j'ai acheté une rose à 8,90€. Je me suis fait avoir, mais je ne me ferai jamais plus avoir. Désolée pour... comme j'ai dit, je ne dénigre pas la marque, mais je préfère acheter à des prix comme ça, à une qualité pareille. Voilà, donc j'ai pris 2 roses et 2 blanches à 2€. Et elles sont super belles. C'est comme si c'était un petit bouquet, voilà, fait avec une feuille verte. Et puis voilà, comme quand on les achète, voilà, quand on veut faire une composition florale. Ensuite, j'ai pris celle-ci à 1,50€ et j'en ai pris 3. Et elles sont super belles. Donc, je me suis fait ma petite composition. Voilà. Et celle-ci, excusez-moi, 1,50€. Mais la marque Silea les vendait à 5,65€. Et celles-ci, je les ai prises à 2€ et la marque les vendait à 7,50€. Mais vraiment, c'est énorme la différence de prix en boutique et chez nos... Mais j'hallucine. Donc, Silea, il se faisait une bonne marge de bénéfices. De toute manière, ils ont toujours un bénéfice, ça on n'en doute pas. Mais voilà, moi je préfère, comme je vous ai dit, au lieu d'acheter en boutique, aller à Noz, où l'équipe, elle est formidable. Je les embrasse très fort et je les remercie pour leur professionnalisme, leur sympathie, leur gentillesse malgré le travail qu'ils ont. Et voilà, je tenais aussi à vous remercier d'être fidèles, pour votre fidélité, pour mes anciens abonnés, et bienvenue aux nouveaux parce que vous devenez de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Voilà, et voilà, sur ce, les filles et les garçons, je vous dis à vendredi prochain pour un haul Noz. Et j'ai hâte d'y être, voilà, pour voir les nouveautés. Voilà, sachant qu'ils reçoivent les lundis, mercredis et vendredis. Et voilà, donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous, d'énormes poutous, les filles et les garçons. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à bientôt.